Bonjour, fidèles apprenants. Je m'appelle Huang Lei. Je serai votre professeur en chinois pour la rentrée prochaine. J'espère vous voir en cours de chinois. Mes cours visent à développer des compétences de communication professionnelle. Nous allons d'abord apprendre des alphabets chinois latinisés pour vous aider à bien prononcer ces langues. Ensuite, nous allons travailler sur la partie essentielle, l'expression orale. Je vous mettrai en différentes situations de communication afin que vous puissiez répondre aux besoins de base dans les secteurs concernés. Dans l'apprentissage, nous allons mettre en pratique des structures clés et du lexique spécifique. Et en fonction du thème travaillé, je vous apporterai aussi des points culturels pour optimiser vos contacts avec vos interlocuteurs chinois. Pour que vous puissiez apprendre d'une manière active, il y aurait beaucoup de mises en simulation et des jeux de rôle en classe. Maintenant, dans cette vidéo, je vous apprends une phrase de politesse en chinois. Lorsque vous travaillez dans une boutique de luxe ou dans un hôtel, par exemple, et vous voulez dire au revoir à vos clients chinois qui sont en train de partir, vous pouvez utiliser cette phrase. 谢谢光临，请慢走。谢谢光临，请慢走。 谢谢, merci. 光, la lumière. 临, arriver. Dans la politesse chinoise, les clients ou les invités sont considérés comme la lumière. Donc, l'expression veut dire merci pour votre visite honorée. Qing, s'il vous plaît. Man, lentement. Zou, marcher. Le sens de cette phrase, allez doucement, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on reste à l'attention de ce qui doit partir. Je répète encore. 谢谢光临，请慢走。 Avez-vous retenu ces phrases? Je vous remercie pour votre attention. 谢谢.